Bonjour à tous, c'est Darkevan et bienvenue pour un nouvel épisode de The Darkness 2. Toujours en compagnie de notre petit singe des ténèbres. Ah oui, on peut le traumatiser un petit peu, vous avez vu. Je lui ai gratté le cul, il a pas aimé. Alors, on est reparti, donc toujours dans cette bataille pour aller sauver la Tati. La Tati. Avec une assimilation incroyable de cœur, je risquerais pas forcément de battre leur corps. C'est vrai que j'en ai bouffé du cœur. Voilà. Bonjour monsieur. Voilà, vous avez vu, je peux le mettre en l'air, voilà. C'est cette attaque là que j'avais débloquée et que j'ai pas utilisée. Faut que je frappe le sol. Ah, je vais pas pouvoir. Salaud, avec sa lumière, il va me gêner. Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer! Oh putain! Oh putain, comment j'ai failli y passer! Donne-moi ton cœur tout de suite! Ouf! C'était tendu là! C'est quoi ce truc là? C'est un genre de sèche-cheveux bizarre. Ah, d'accord. Ok. Faut que je fasse quoi maintenant? J'avance? On avance toujours dans la même direction. Ok. On arrive sur notre manoir. Là. Je le vois. Il n'a pas pu aller bien loin. Continuons à chercher. Personne ne me fait saigner. Personne. Oh, Jack. Tu ne vas pas abandonner par le coup. Ah, ils sont chiants ces trucs-là, hein. Bah, ça devient tendu, là. Alors. C'était fait exprès encore ou pas? Non, apparemment, non. Bah à ton avis c'est fait pour quoi? On passe notre vie à massacrer des gens. Force de manger des cœurs et en pèse 80, ils devront peser même plus. Oh le générateur. Ils foutent des générateurs partout. Hop, toi t'aurais pas dû te pointer vers moi. Alors là il se déchaîne, voilà, c'est l'accomplissement de la vengeance. Hein. Là on est carrément dedans. Y a plus de respect là. Ah. Jackie, ta tante Sarah est là-haut, dans ta chambre, dans ta pièce de sûreté. Ils sont en train d'enfoncer la porte. Il faut qu'on y aille tout de suite. C'est Jimmy les bons tuyaux. Jackie, là on sait qu'on va la sauver, la tante Sarah, on est là pour ça. Voilà mon bureau. Putain c'est... Ils ont tout explosé. Et ça c'est fait. Il n'y a pas beaucoup d'outils qu'on peut utiliser à l'extérieur. Oh, on l'entend, elle est en train de crier, elle se fait attaquer. Faut vite aller la sauver. T'es qui toi? T'es un peu bizarre toi. Bon bah je sais pas ce que t'étais mais en tout cas je t'ai tué. Ok, on fonce. Tu t'en mettras, tu le sais très bien. Et quand ce sera fait... Oh, oh, oh putain, ils le font vraiment. Mauvais choix, mon Jackie. Jackie, aide-moi. Oh, c'est chaud. C'est trop triste, quoi, l'attente. Réveille-toi. Oh. Allez, Jackie, debout. Tout va bien. Voilà, c'est ça. C'est fini maintenant. T'es tombé du lit. T'as passé une sale nuit, Jackie. Pas pris. Tu m'étonnes que t'as passé une sale nuit. Vinny, je comprends rien à ce qui se passe. Je suis
Je suis en enfer. Ah, bah voilà autre chose. C'est le Darkness, c'est ça? C'est une sorte de piège. Voyons, Jackie, ne recommence pas avec ces histoires de Darkness, d'accord? What the fuck? Il est pas réel, il est dans ton esprit. Quoi? Bon, écoute-moi. Je vois bien que t'es un peu paumé. Tous ces cauchemars viennent de ta maladie. Tu dois nous aider à te remettre sur pied. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas au dispensaire, avant le petit-déj, et je dirai au docteur que t'as bien dormi. What the fuck? Je ne devrais même pas être là! Calmez-vous, monsieur Walker. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est qu'un... Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je suis trop perturbé, moi. Oh, je suis trop triste quand même pour l'attente, mais... Là, j'aimerais bien que ce soit qu'un rêve, tu vois, mais... Ok. Oh. Janitor. Ok. Alors... Non, alors. Il a été adorable. Il a des hauts et des bas, mais il va bien... J'ai l'impression qu'il régresse. Ses troubles du comportement sont plus complexes. Ses pensées deviennent extrêmement confuses. Hé, hey, te voilà. J'ai le truc que tu voulais. C'est gros. Johnny, explique-moi. C'est quoi tout ça? Encore un sale coup du Darkness? C'est ce que je leur ai dit, mais ils m'ont pas cru. Ils ont mal au poignet à cause de leur ordinateur. J'ai voulu t'apporter ta roquette, mais c'était trop gros. C'est pour ça que je vais plus dehors. Johnny, il faut que tu m'aides à sortir Jenny d'ici. Tu crois qu'il y a une sorte de clé secrète pour tout, Jackie? On est mardi. Tu prends tes cachets et tu manges tes raviolis. Putain de merde. Prends tes cachets, vous mangez des raviolis. On arrête de parler mayo ketchup, c'est ravioli. Bon. Au revoir. Je pense qu'il est l'élu. Non, c'est pas lui, ses yeux sont trop rapprochés. Oh, tant pis. Allez, dis-moi quelque chose, n'importe quoi. On monte un plan pour s'échapper d'ici. On va se déguiser en pansement. Ouais, mais on n'est pas sûr de pouvoir le retirer après. Merci beaucoup. C'est vrai. Et c'est tout? Lui aussi, putain, il est là. Ok. Bon. Je vais essayer d'être. J'ai clair. Déjà fait une il sieste. Dit qu'il habite dans une sorte de grand manoir. Bon, ok. Jackie, le docteur James te cherche. Il voudrait te parler. Tout va bien, tu ne risques pas d'ennui. Va donc le voir dans son bureau. Comment ça va? Même elle, c'était la prostituée, je crois. Je devrais aller voir Johnny. Jackie. Je crois que c'était la prostituée qu'on a vue au début. Aïe, aïe, aïe. Allez, le docteur James t'attend. Ok, on va voir le docteur. Jackie, entre donc. Oh. J'espère te voir. Oh, shit. Je t'en prie, assieds-toi. On va s'asseoir. Maintenant, je sais que tout ça n'est pas réel. Impossible que tu sois un docteur. On m'a dit que tu t'inquiétais encore au sujet de tes médicaments. Est-ce que tu comprends bien pourquoi tu prends ces médicaments, Jackie? Je suis pas fou. Tout ça n'est qu'une illusion. Si tu sais que c'est une illusion, fais-la donc disparaître. Mais nous en avons déjà parlé. Tu ne peux pas la chasser parce que ce n'est pas une illusion. Tu vois pas ce qui se passe, Jimmy? Le Darkness est dans nos esprits. Tu parles de la voix dans ta tête, Jackie? Celle qui te fait mal agir? Ça te semble raisonnable, ça? Écoute, autant parler de ton problème franchement. Le docteur Vic et moi, on s'inquiète parce que tu changes tout le temps les règles. Les trucs de la mafia, c'est bon pour la télé, mais pas dans la vie. Tu ne diriges pas une famille de la pègre. Tu es un patient de cette institution. Et on veut t'aider à guérir. J'aime pas du tout cet endroit. Pourquoi est-ce qu'on me garde bon, ici? Jackie, t'énerve pas. Le docteur James essaie de t'aider. Eddie, bah, mais qu'est-ce que tu fais, putain? Jackie, je sais que tu es furieux, mais je veux parler à ta voix normale. Je ne veux plus parler à la voix du Darkness. Très bien. Moi, je veux parler à Jenny. D'accord. Personne ne t'en empêche. Edward, emmène-le chez Jenny. Viens, Jackie. Tâche de garder ton calme, Jackie. Ouais, c'est ça. Cause toujours, docteur. Allons voir Jenny, Jackie. Voir Jenny? What the fuck?
Et là, c'est horrible parce que j'ai été obligé de couper le truc. Et genre, je vais couper le truc et je vais être là en mode putain, je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. Là, c'est pas possible quoi. Je vais arriver, je vais juste voir, on va rien comprendre. T'étais un peu lent, toi, à avancer. Tu peux pas courir plus vite. D'accord, il s'est arrêté. Ok. Et on fait quoi là? J'ai où? Ah, c'est par là. D'accord. Jackie, je suis ravie que tu aies repris tes médicaments. C'est un signe très positif. Mon cerveau est détruit. J'adore les trucs comme ça. Le docteur Vic m'a interrogé sur tes progrès. Il s'inquiète beaucoup pour toi, comme nous tous. Jenny, je sais pas où nous sommes, mais je vais te sortir de là. Pourquoi veux-tu me sortir de là, Jackie? Je travaille ici. Je suis là pour t'aider. Oh, pas toi aussi! Pas toi! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Reste calme, Jackie. Tout va bien se passer. Bon, la dernière fois que tu m'as parlé des illusions que tu as ressenties, tu disais que tu étais le chef d'une famille de la mafia et que ta maison était attaquée par des hommes qui voulaient te voler le Darkness. C'était pas une illusion, c'est arrivé. J'en suis certain. Je sais que ça te paraît réel, Jackie, mais... Jenny, il faut que tu m'écoutes. Je crois que nous sommes en enfer et que t'es prise au piège. Je suis venu te libérer. Je comprends que tu puisses comparer ça à l'enfer. Mais ce n'est qu'un hôpital. Tu dois me faire confiance. Tout le monde ici veut t'aider. Je comprends rien à ce qui se passe, Jenny. Tu étais morte. Je t'ai vu mourir. On en a déjà parlé. Tu te souviens? Quand tu ne prends pas tes médicaments, tu as du mal à séparer la fiction de la réalité. Tu fais beaucoup de cauchemars quand tu sécrètes trop de sérotonine. Tu as l'impression de te souvenir de choses qui ne sont jamais arrivées. Mais... ma famille, mes amis... le Darkness... Jackie, rien de tout cela n'est réel. Oh my god. Je vais préparer un planning avec le Dr Vic. Si tu joues le jeu, on pourra se voir souvent. D'accord? Jackie, ça va? Oh my god. Un planning? Quoi? Jenny, tu comprends pas. T'es en danger! Il faut qu'on sorte d'ici! Tout de suite! Jackie, voilà, non. Voilà mon gros! Code blanc! Doucement, Jackie! Mais lâchez-moi! Viens! Tout se passait tellement bien! Calme-toi, Jackie! On va pas te faire de mal! Tenez-le bien! Geronimo! Jenny, ferme-la! Mais qu'est-ce que tu fais? Couchez. Te dégager, s'il vous plaît! Cours, Jackie! Reviens ici, Jackie! Allez au bunker! Vita et Bob, je serai au bunker! What? On s'échappe! On fait quoi? On se barre! Il court vers la porte! Reviens Exit! Ici, Jackie. Par on ici. Se sauve! Les mecs, ils. L'échappe des. L'hôpital psychiatrique, le mec, il se barre! Vite, barrez-vous! Tant que la lignée continue, le Darkness sera toujours un nouvel hôte. Je l'ai compris le jour de mes 5 ans. Je me suis réveillé en pleine nuit, avec mon père assis sur mon lit, penché sur moi, avec un couteau dans la main. Je sais toujours pas si ce taré voulait mettre fin à mes souffrances, ou s'assurer que personne ne prendrait sa place. Je veux que ça cesse, Jackie. Jackie, t'es revenu? J'en reviens pas. T'as dit que le Darkness te laisserait pas mourir, mais je t'ai jamais cru. Ça a mis 4 jours à te retaper quand t'as pris une balle dans la tête. Oh, je deviens fou, putain. Écoute, Jackie, je sais pas comment te dire ça, mais... ils ont organisé les funérailles de ta tante Sarah aujourd'hui. Putain de merde. Putain de merde. C'est ma faute. C'est ma faute s'ils l'ont tué. Cet enfoiré de Bragg. Après t'avoir buté, il... C'est vrai qu'il nous avait mis une balle dans la tête. Jackie, je suis désolé. Putain, il y a tout qui part en couille. Tes gars ont corrigé la confrérie, et ils les ont pourchassés. Mais tu sais bien qu'ils reviendront, hein? La confrérie doit pas prendre le Darkness, Jackie! Je les laisserai pas faire. Le Darkness... le Darkness retient Jenny. Et il veut la peau de cette confrérie pour s'approprier le siphon. Sinon,
Il la gardera à jamais. Jackie, ce siphon ne doit pas tomber aux mains du Darkness. Il est trop puissant. Avec le siphon, il pourrait te consumer et te contrôler complètement. J'ai pas vraiment le choix. Je ne veux pas qu'il blesse Jenny. Jackie, si elle n'était pas réelle, hein, le Darkness te joue des tours. Il te fait voir des choses. Non, c'est elle. Je le sais. Je le sens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois aller à l'enterrement de Tansa. Après, j'irai liquider un tas de gens. Sois prudent, Jackie. La confrérie fera tout pour te reprendre le Darkness. Tout. Eh bah putain. Eh oui, tout simplement, en fait. Je vais voir ce que je trouve. On n'y avait pas compris, mais en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il lui avait juste mis une balle dans la tête, et le temps que tu résolves, bah, ça prend 4 jours et tu vois des choses. Voilà. Eh bien voilà, et ben ce sera terminé et ça va être aussi donc la fin de cet épisode. Donc voilà, merci à tous, j'espère que vous avez apprécié Darkness 2. On se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures de folie avec du fun, du fail, de l'action. Et voilà, on se dit à la prochaine. Du coup, ciao à tous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour supporter la chaîne comme d'habitude. Ciao à tous et à la prochaine.